Bonjour à tous. Bienvenue à tous nos invités et à tous les citoyens et citoyennes de la Noraie qui sont ici présents. Aujourd'hui, 9 septembre 2014, est une journée importante dans l'histoire de la Noraie. En effet, il y a 140 ans, jour pour jour, soit le 9 septembre 1874, se tenait ici même la consécration de deux cloches destinées l'une au clocher du couvent et l'autre à l'Académie Sacré-Cœur, École des garçons, aujourd'hui disparue. La restauration du clocher du vieux couvent est un projet du Comité de valorisation du patrimoine de la Noraie, dont les membres sont Claude Ducharme, qui va prendre la parole tout à l'heure, qui est maire suppléant, merci, Christine Guilbeault, qui est responsable de la municipalité affectée au comité, Julie Beloin, je ne sais pas si elle est là, je ne l'ai pas vue. Je pense qu'elle travaille, pauvre petite. France Desjarlais, qui est ici. Jean-Louis Hébert. Dominique Lesueur, est-ce qu'elle y est? Lynn Prudhomme, qui n'est pas disponible non plus. Et moi-même, Claire Lalande. Avant de donner la parole à nos invités, permettez-moi d'adresser au nom du comité des remerciements aux institutions et aux personnes qui ont rendu possible ce beau moment. Merci d'abord à la municipalité de la Noraie pour son appui logistique et financier qui a permis de mener à terme ce projet de restauration. La municipalité procédera sous peu à la citation de ce clocher comme bien patrimonial. Elle sera la première municipalité de la MRC à se prévaloir de ce pouvoir donné aux municipalités par la nouvelle loi sur le patrimoine culturel. Merci à la fabrique de la paroisse Saint-Joseph, Saint-Frère-André pour son appui au projet, pour avoir accepté de s'occuper de l'entretien du clocher et pour avoir fourni le site du clocher. Merci à la Société d'histoire de la Noraie qui, depuis le retrait de la cloche de la bâtisse du couvent en 1981, l'a précieusement conservée. Merci à la MRC, Marie-Julie Asselin, je ne sais pas si elle est là. Elle devait venir, qui, pour ses conseils et son accompagnement pour la citation du clocher. Merci aussi aux artisans lanorois qui ont travaillé au clocher. Serge Paquette, Ferblantier, qui a fait, comme vous voyez, un travail extraordinaire avec un clocher qui était malheureusement un peu abîmé. Jacques Tremblay, menuisier, qui va faire la clôture qui va apparaître dans les prochains jours, que malheureusement, on n'a pas pu avoir aujourd'hui. Merci à Denis Laroche, qui est un grutier et qui nous a facilité le transport du clocher à deux ou trois reprises pour leurs compétences et pour le soin qu'ils ont mis à redonner au clocher son lustre d'antan. Merci aux indispensables bénévoles. Marielle Boisjoli, Lorraine Desjarlais pour les rosiers qui orneront la base du clocher. Ça va venir dans pas longtemps. Monsieur Jean-Louis Lesquarnec et Madame Marguerite Drapeau-Lesquarnec, ici présente, qui nous fait l'honneur d'être là, qui ont sauvegardé le clocher au moment de son retrait de l'immeuble et l'ont hébergé sur leur terrain pendant toutes ces années. Merci à la famille Mondin. Oui, en effet. Merci à la famille Mondor, toujours disponible pour les déplacements et le redressement du clocher, et tout particulièrement à Rosaire Mondor, sans qui... rien n'aurait été possible. Pour toutes les heures qu'il a mises, pour l'ingéniosité et la générosité dont il a fait preuve pour trouver des solutions à toutes les difficultés qui se sont présentées en cours de route. Enfin, merci à vous tous d'être présents pour célébrer dignement ce moment. Je vais maintenant donner la parole à nos invités. D'abord, Sœur Colombe Gobeille, qui est tout près de nous, qui est supérieure de la Noraie des Sœurs de la Providence, Sœurs de la Providence qui ont eu la charge du couvent dès 1873, donc au moment où la cloche est arrivée sur le clocher du couvent. Mesdames, Messieurs, bonjour à chacun. Cette inauguration du clocher de notre ancien couvent touche profondément le cœur des Sœurs de la Providence et des associés Providence. Au nom des Sœurs de toute ma communauté, je veux remercier les membres du Comité de valorisation du patrimoine de la Noraie, la Société de l'histoire de la Noraie qui nous rappelle à tout moment notre vécu,
les conseils de la municipalité et de la fabrique pour leur contribution, les gens qui ont eu le cran de conserver notre clocher et toutes les personnes bénévoles impliquées qui ont donné de leur temps. Ce clocher de 140 ans réinstallé témoignera à long terme de la participation des Sœurs de la Providence dans la vie des Lanaurois. Oui, Lanaurois, site enchanteur où tout visiteur voudrait demeurer. Curieuse, je suis allée voir dans les chroniques 1874 du couvent comment les Sœurs ont vécu cette journée-là. Le 9 septembre, bénédiction du couvent. Le 9 eut lieu la bénédiction du couvent et de la cloche par Messire Boucher, curé de la rivière du Loup. Cette cloche porte les noms de Marie, Rosalie, Adeline, Adelphine, Élisabeth, Adèle. Les parrains et marraines étaient au nombre de 44. Sacrifice. Il y eut ce jour-là un grand sacrifice à faire, celui de l'absence de notre fondateur. Peut-être qu'il est passé vissé. Ah. Bon, c'est correct. On va y faire attention. Merci. Alors, en ce jour-là, il y eut un grand sacrifice à faire, celui de l'absence de notre fondateur, Mgr Ignace Bourgette, évêque de Montréal, que la maladie empêcha de remplir sa promesse en venant lui-même faire cette cérémonie. Visite. Le révérend F. Cavanache, chapelain de notre maison-mère à Montréal, nous fit le plaisir d'assister à cette fête, ainsi que notre très chère honorée Mère Caron, supérieure générale. Mère Caron, c'était une des sept fondatrices de la communauté et elle a été la première supérieure au couvent de Sainte-Élisabeth en 1849. Aide, dîner, vieille admise. Quelques-unes de nos chères sœurs de Joliette, de Sainte-Élisabeth et de Saint-Paul vinrent nous aider à préparer le dîner auquel 140 convives prirent part. Les tables avaient été mises dans les grandes salles du troisième étage du couvent. Quelques dames et les jeunes musiciens de Joliette voulurent bien servir ce grand dîner qui fut organisé et fourni par M. le curé Loranger. Parce que les sœurs, il n'y avait pas beaucoup d'argent. Le nombre des sœurs présentes en cette circonstance fut de 15. Comme il n'y avait pas assez de couchettes pour les sœurs, là, nous fîmes avec nos paillasses et matelas des lits par terre pour quelques jours. Le même jour de cette grande fête, nous reçûmes une vieille dame du nom de Madame Julie Desrosiers. À ces chroniques de 1874, on pourrait ajouter que M. le curé Loranger était visionnaire en invitant les Sœurs de la Providence à la Noraie pour servir les pauvres, les malades, l'éducation. Il a semé, comme on lit dans l'Évangile, et d'autres ont arrosé. Dans ce grand champ aux besoins quotidiens, les filles de la bienheureuse Émilie Gamelin ont été secondées, aidées, encouragées dans leur service par les paroissiens, les bénévoles, les dames de charité du temps. Et je peux nommer Mme Cécile Beauparlant et Mme Héloïse Tremblay. Et depuis 20 ans, on a des associés Providence. À la Noraie, nous en avons 13. Aujourd'hui, rendons grâce à Dieu pour ce jour de reconnaissance. Des personnes au cœur vaillant ont travaillé fort pour organiser cette cérémonie inoubliable. En conclusion, le clocher restauré du vieux couvent, avec sa croix en évidence,
est installée pour longtemps et nous pourrons entendre chanter sa cloche à l'occasion. Ce monument patrimonial au centre du village, près de l'église, rappellera à tous les nombreux bienfaits que la Providence a répandus sur notre localité. Que la divine Providence vous protège tous ainsi que vos familles. Merci. Merci beaucoup. Pour faire suite, j'inviterai M. le curé Luc Beaudoin à peut-être rebénir la cloche et à nous adresser quelques mots. C'est toujours une grande joie de bénir et les paroissiens de la Norelle le savent bien lorsque je fais des bénédictions. Tout le monde sont bien bénis et c'est ce que je vais faire dans quelques instants. D'abord, de bénir le clocher et la cloche et ensuite bénir les personnes aussi qui viennent également ainsi que toutes les personnes du journal et de la télévision. On va tout d'abord refaire sur nous un premier geste qui nous rassemble au nom de Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, qui nous appelle dans son unique Église, et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous. Seigneur, toi qui rassembles la multitude des peuples dans ton unique Église, regarde avec bonté ton peuple rassemblé pour la bénédiction de cette cloche et de ce clocher. Accorde à ceux et celles qui peut-être l'entendront résonner à quelques reprises pour les convoquer à un rassemblement, de prêter à sa voix une oreille attentive et de célébrer tes saints mystères d'un seul cœur. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Écoutons une petite lecture de la parole de Dieu selon saint Marc. Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur incrédulité et leur endurcissement parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. » Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout la bonne nouvelle. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Un petit texte très court pour nous dire que la foi a été transmise à travers les générations, hein, depuis que la Norelle existe, à travers les différents curés qui ont passé, à travers aussi toutes les gens qui se sont impliqués dans la foi et qui ont toujours aidé son prochain. Et c'est ce que le texte vient nous dire, d'être capable d'aller vers ses frères et sœurs qui en ont le plus de besoin. Et la mission des Sœurs de la Providence, c'était dans une de leurs missions d'aider les plus pauvres, les gens les plus mal pris de la société pour pouvoir leur redonner cette dignité d'être enfant de Dieu. On va poursuivre pour la bénédiction de la cloche. Dieu Tout-Puissant et très bon, source de toute vie et de toute sainteté. Tu as donné aux humains l'eau qui fait vivre et les purifie. Daigne bénir cette eau pour qu'en se répandant sur nous et sur cette nouvelle cloche, elle ravive en nous la grâce de notre baptême et nous rappelle que nous devons toujours nous approcher de toi avec un cœur pur par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, Père très saint, nous te bénissons, car tu as envoyé ton Fils dans le monde pour rassembler au prix de son sang les humains désunis par la blessure du péché et pour en faire un unique troupeau. Que tu diriges et nourris, toi, l'unique pasteur. Nous t'en prions, Seigneur, qu'à l'appel de cette cloche, tes fidèles accourent avec joie vers ton Église, qu'ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et la prière, pour n'être plus qu'un seul cœur et une seule âme, à la louange de ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
et que le Seigneur Tout-Puissant le bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donne-moi ton lit. Ah! C'est toujours une grande joie. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse tous, vous qui êtes présents ici aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix, dans la joie du Christ. Mais ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. La prochaine personne qui va nous adresser la parole est M. Claude Ducharme, maire suppléant. Alors, je l'invite à vous adresser la parole. Bonjour à tous. Évidemment, quand on passe en dernier, bien, on ne veut pas être trop redondant de ce que les autres ont déjà dit. Distingués invités, Jean de Lanoraie, merci d'être présent aujourd'hui. Au nom des membres du conseil municipal de Lanoraie et à mon nom personnel, il me fait plaisir d'être associé à cet événement marquant le 140e anniversaire de la bénédiction du clocher. Pour conserver un patrimoine, ça prend des gens qui s'impliquent. Et heureusement, à Lanoraie, on a cette qualité d'individus qui sont prêts à s'impliquer pour conserver notre patrimoine. La municipalité, évidemment, est très fière d'avoir sur son territoire une telle richesse et je pense qu'il est très, très important de la conserver. Évidemment, tantôt, Mme Lalande a remercié plusieurs personnes. Évidemment, au nom des membres du conseil, évidemment, on remercie ces personnes-là. Évidemment, sans vous, il serait impossible d'être ici aujourd'hui pour célébrer cet événement, je pense qu'il est très important dans notre municipalité. Il y a une personne qui s'est oubliée, je pense, c'est Mme Claire Lalande qui est ici présente, qui je pense qu'était une personne, je pense, exceptionnelle. Qui a fait un travail, je dirais comme ça tantôt, exceptionnel, autant au niveau des démarches historiques que dans la préparation de toutes les démarches qu'on doit faire pour citer le clocher à titre d'immeuble patrimonial. Encore une fois, merci à tout le monde et merci à Claire en particulier. Merci, merci, monsieur le maire. Je disais, il me fait rougir. Pour terminer cette présentation de nos invités, monsieur Ariel Bérubé, attaché politique de monsieur André Villeneuve, député de Berthier, va vous adresser la parole. Merci. Écoutez, je serai bref. Bien entendu, c'est en toute humilité que je suis ici. Monsieur Villeneuve, votre député, m'a demandé de vous dire à quel point il reconnaissait l'implication de chacun et chacune d'entre vous qui vous êtes impliqués pour faire pas juste se souvenir du passé, mais aussi ce que ça représente pour le futur. On parle ici de partage, d'entraide. Je pense que ça traduit nos valeurs et puis c'est pas pour rien. Puis on espère qu'à Lanoraie comme ailleurs, au Québec, on va garder ces valeurs-là puis on va les mettre en pratique. On les met déjà en pratique, mais il faut continuer. Bref, c'est ça, M. Villeneuve me charge de remercier tout le monde qui, de près ou de loin, a participé au maintien de ce qui va être bientôt proclamé comme étant patrimonial, mais je pense qu'on n'a pas besoin de le proclamer, on le constate tout aujourd'hui. On n'a qu'à regarder d'autres nations à travers le monde qui ont su garder des... on ne peut pas appeler ça une relique, là, mais quasiment, là, tout le travail qui a été mis là-dessus pour le préserver, puis qui sait, peut-être que dans 140 ans, on va pouvoir inaugurer à nouveau ce clocher-là et se rappeler des gens qui étaient ici aujourd'hui. Merci. Avant de terminer cette petite cérémonie, je voulais d'abord vous lire, vous aurez l'occasion de lire le panneau. Vous allez voir qu'il va être retiré, mais ne vous inquiétez pas, ça n'est que pour compléter les travaux, il sera réinstallé. Mais je pense que ça vaut la peine de lire ensemble la petite phrase écrite par Louis-Joseph Doucet, dont la rue passe juste à côté de nous ici, à celles et ceux qui ont permis que la cloche tinte à nouveau dans sa tour au couvent. Comme Sœur Colombe vous le disait tantôt, la cloche porte les noms de Marie, Rosalie, Adeline, Adelphine, Elisabeth, Adèle. Et je demanderai à Mme Lesquarnec de venir la sonner pour nous, s'il vous plaît.
Improvisé. Merci à Mme Le Squarnec. Et malheureusement, la cloche ne pourra pas rester en permanence dans le clocher. Vous comprendrez que c'est un objet qui est un peu trop attirant pour certaines mains grappigneuses. Et donc, nous devrons la retirer. Nous la pourrons l'installer à l'occasion pour des cérémonies. Et entre-temps, nous espérons être en mesure d'installer quelque chose qui représentera la cloche, une cloche factice qui ne sera pas intéressante à voler, mais qui permettra de garder cette image-là pour tout le monde. Nous avons un très beau problème. Nous avons prévu un goûter à l'intérieur, mais nous ne prévoyons pas d'avoir tant d'invités. Alors, j'espère que vous serez, clément à notre endroit, pour le fait que peut-être certains d'entre vous ne pourront pas prendre de bouchée, mais vous êtes quand même les bienvenus pour échanger avec nous. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence, très, très appréciée. Et bonne journée. Donc, c'est dans l'église, un petit goûter pour terminer cette belle cérémonie.